Hello, welcome everyone. Bonsoir à tous. Goedenavond allemaal. Welkom op dit evenement. Een korte discussiesessie van Women in Architecture. Een derde evenement in een serie van 6, waarin dat we met vrouwen die de stap maken, ingaan op wat er als uitdagingen zijn. So what are the challenges in Brussels? And it's a very warm night tonight, so I'm sure that everybody who's listening in is looking forward to go outside, but please stay with us for this session that will also be short because we all suffer a bit from digital fatigue, so we also all will detox in 1 hour and go out. Please stay with us. So I'm having two women here that are making the city, and we have invited them because we want to talk about their experiences with developing public space in Brussels, and they play key roles in that. First person is Ans Persoons. Hi, good night. Hello. I was gonna speak in Dutch with you, so goedenavond Ans. Goedenavond Jens. Welcome. Jij bent schepen in de stad Brussel, verantwoordelijk voor heel wat dingen die te maken hebben met stadsvernieuwing, publiek domein, ook Nederlandstalige aangelegenheden. Ik zou zeggen, ik ken jou ook van op school, hè, want onze kinderen zitten op dezelfde school, dus wij zijn fanatieke fietsers en mensen die geloven in duurzaam beleid. Alors, il y a aussi Livia de Betoun, avec nous, qui est architecte, qui a étudié à Leuven, tu as été à Barcelone, comme moi, oui. C'est un lien que j'ai trouvé, et tu as eu beaucoup d'expérience comme aménageur, urbaniste, architecte à Bruxelles, très connu pour avoir été la personne qui a poussé pour les boulevards centraux, hein, l'aménagement. Oui. Qui est quand même une grande réussite et quelque chose qui va changer la ville de Bruxelles énormément. Donc, en fait, dans le débat qu'on va faire, ça fait partie des sessions de réflexion qui font partie de nos portées de réfléchir après Covid, hein, sur une sorte de récupération et de faire les choses différemment. Donc, il faut aussi le voir comme une sorte de portée de faire un recul. Et donc la question à vous, à poser à vous deux, mais d'abord à Livia, c'est si on parle d'espace public et si on parle avec que l'espace public est là pour tout le monde, quels sont les enjeux en fait que vous voyez et particulièrement comment vous le voyez comme femme professionnelle qui est là pour les aménager et de faire des processus de jour à jour. Oui, donc en effet, je pense que ce qui est important, c'est que l'espace public soit des espaces publics pour toutes les générations, donc des plus petits aux plus âgés, et des espaces publics qui fonctionnent bien. On voit des petits-enfants qui jouent, et on voit des vieilles personnes qui se déplacent aussi, qui viennent aussi dans ces espaces. Et puis, tout le monde entre les deux, et bien sûr, des hommes, des femmes. Et voilà, cette variété, c'est ça qui est riche. Alors, la question est comment s'assurer que ces espaces fonctionnent pour tous. Tout le monde. C'est pas facile. Bon, bien sûr, on a notre côté, on a la profession. On fait beaucoup d'observations, on regarde beaucoup comment les choses fonctionnent. Et d'autre part, être à l'écoute. Être à l'écoute de toute une parcelle de gens. Et je pense que c'est important d'écouter les femmes. Pourquoi l'écouter les femmes? Non seulement pour ce qu'ils ont à dire, comment eux ressentent l'espace public, mais aussi parce que les femmes, en général, ont une grande empathie. Pourquoi? Parce que c'est souvent eux, et principalement encore c'est le cas, qui s'occupent des petits-enfants, qui s'occupent des personnes âgées. Donc, ils ont plus cette sensibilité et cette empathie par rapport à ces aspects-là. Donc, c'est une grande importance. Et on remarque trop souvent encore dans la participation, on a beaucoup de réunions qui sont le soir, où il y a... Voilà, c'est moins facile pour des femmes qui ont des enfants de venir, d'être présentes, des femmes aussi de certaines classes sociales qui sont moins... Il y a un seuil d'entrée, d'y aller, etc. Donc c'est vraiment comment aussi les entendre
Et donc, je pense que pour la participation, il faut aller dans l'espace public, il faut aller vers eux, il faut que ce soit très, qu'il n'y ait pas d'obstacle, non, pas de seuil. Donc c'est vraiment peut-être aller sur une place, sur un parc, là où les gens se trouvent, là où il y a des gens avec des enfants. Puis aussi s'orienter vers les jeunes, c'est aussi un groupe qu'on oublie parfois, parce que ça ne les intéresse pas de venir à des débats et autres, mais c'est de les interviewer, de les écouter, et peut-être, nous on fait par exemple la participation, et ce sont des jeunes qui interviewent des jeunes. Donc c'est des jeunes de 18 ans qui vont interviewer des jeunes de 15 ans, de 16 ans. Donc vraiment avoir ce côté très, très accessible, et très, voilà, avec cette diversité d'accès par rapport à ça. Voilà, je ne sais pas, il y a de, bien sûr, voir le, mais il y a aussi toute cette accessibilité des personnes à mobilité réduite, voir comment travailler avec eux pour que tous ces obstacles soient résolus, comment réduire ça au maximum au travers de projets. Donc c'est vraiment un travail de finesse et d'observation sur lequel on veut travailler avec la société, le groupe de gens. Mmh. Donc le focus sur les femmes, je dirais, c'est aussi une sorte d'option de vraiment avoir plus de finesse, hein, sur l'inclusion de tout le monde et de comment aussi arriver à, oui, avoir un dialogue avec tout le monde. Oui, et être à l'écoute d'eux et puis qu'ils s'approprient les lieux, que les barrières diminuent et qu'eux aussi s'y retrouvent et ont envie de revenir et de comprendre les lieux. Et de, voilà, ils ont cette attention spécifique par rapport à la famille ou à toutes les générations. Oui. Oké, okay, merci. Alors, Hans, ik ga aan jou dezelfde vraag stellen. Hoe kijk je er als beleidsmaker naar? Ik denk dat je mag antwoorden. Ik weet enig welke taal dat je wilt. Ik denk dat er mijn vraag is om in het Nederlands te doen, dus ik ga dat in het Nederlands doen. Ja, ik denk dat we momenteel in Brussel in een fase zitten waar er echt een gevecht om de openbare ruimte bezig is. En dan gaat het vooral over het terugwinnen van de ruimte van de auto. We zijn daar volop mee bezig, maar we hebben nog een lange weg te gaan. En je merkt wel, als mobiliteit wordt bekeken vanuit een mobiliteitsinvalshoek, dat het dan heel sterk een mannelijk debat wordt. Zowel voor degenen die de belangen van de automobilisten verdedigen, maar eigenlijk ook als het gaat over fietsers, dan is het ook heel vaak, ik zie dat aan de mensen die reageren op mijn Twitter of op mijn sociale media, degenen die heel erg de belangen van de fietsers vertegenwoordigen, die zijn ook vaak mensen die heel snel willen kunnen fietsen en overal snel willen door kunnen gaan met de fiets, is ook een heel mannelijk publiek. Ja. En dat merk ik bijvoorbeeld heel hard. Anderzijds merk ik wel, als het gaat over verkeersveiligheid of van openbare ruimte een ontmoetingsruimte maken, en ook over de hele kwestie van vergroening, doorlaatbaarheid, eigenlijk alles wat gelinkt is aan ons voor te bereiden op de klimaatopwarming, dat je dan wel veel meer vrouwen ook in het debat krijgt. En alles wat wij proberen doen in openbare ruimte, ja, we proberen dat zo inclusief mogelijk te doen. We hebben het in de voorbereiding hier net al over gehad. Als je 's avonds een vergadering organiseert, mm-hmm, en je verstuurt een aantal mails naar bewoners, of je gaat een paar flyers in de bus steken die vaak heel mooi grafisch zijn uitgewerkt, dan krijg je 's avonds op je vergadering een publiek van witte, mannelijke middenklasse. Mensen die daar tijd voor hebben om daar 's avonds te komen zitten. Mensen die vaak ook een plan kunnen lezen, die er al zo vaak professioneel zelfs al mee bezig zijn. En dan, als je daar op je participatie baseert, dan krijg je als resultaat niet een project dat gedragen is door heel de wijk. En dan merk je ook bij de uitvoering dat het vaak tot conflicten gaat leiden. Want dat is het moment dat andere mensen ook zich bewust worden van wat er staat te gebeuren. Dus ik denk dat het super essentieel is dat we, als we gaan werken, en dat doen we steeds meer aan een voorbereiding, aan overleg en participatie, om ervoor te zorgen dat die echt, echt fundamenteel inclusief is. Het voorbeeld van het Fontenaspark is een goed voorbeeld. Daar zijn de architecten samen met de stad ook op woensdagnamiddagen, zaterdagnamiddagen met 3D-modules in het park gaan zitten, om te kijken wat waren vaak mama's die er met hun kinderen kwamen spelen, hoe dat zij in het park zagen. En daar ging het heel hard over spel en veiligheid, terwijl dat je 's avonds het meer publiek had, dat had over terrasjes en rustplekken, en dat was een hele andere invalshoek. Ja, ja. En nu zijn we bezig met een heel proces, dat gaat opgestart worden rond een nieuwe graanmarkt, die ook eraan gericht gaat worden. En daar is het ook belangrijk om heel veel scholen daar rond,
met de scholen te gaan werken, maar bijvoorbeeld ook met de huidige gebruikers van het plein. En dat zijn dan de jongeren, de basketters. Zij zijn nu de essentiële identiteit van het plein, dus we gaan geen heraandeel bedenken zonder met hen te werken. Ja. En als ik nog één dingetje mag gaan toevoegen, ik vind het absoluut geen gemakkelijke uitdaging om openbare ruimte te heraandelen vandaag, omdat dat er zoveel belangen bij komen kijken. Mm. Wij gaan altijd eerst kijken patrimoniaal, historische studie van de plek, maar de belangen van patrimonium zijn vaak niet de belangen van veilige fietsinfrastructuur, want als je alles laat zoals het vroeger was, dan krijg je een infrastructuur die heel gemakkelijk wordt ingenomen door de auto. En we moeten evolueren, dan heb je alles rond mobiliteit, bussen, auto's, fietsers, dat moet er allemaal ingepropt worden, voetgangers. Dan spelinfrastructuur, de ene wil een grote zon om zijn lont uit te laten. En dan nog eens alles wat van vergroening dat ertussen moet gegooid worden. En als je dat er allemaal op inpropt, dan krijg je een soort van identiteitsloos, karakterloos compromis. En dat gaat ook niet. Ja. Dus er moeten wel, denk ik, keuzes gemaakt worden. En voor mij, ja, de hele strijd die in de herhaling die nog moet gebeuren, is dat terugdringen van de oververtegenwoordigheid van auto's in deze stad. Ja. Je hebt heel veel gezegd. Super interessant. Ik noteer, eigenlijk is het heel belangrijk om te vermijden dat een discussie over publiek domein gefocust wordt op één thema. En bijvoorbeeld dat thema is dan toch te vaak misschien op mobiliteit. Het is een belangrijke discussie, want er is eigenlijk toch nog altijd het terugdringen van auto's, maar dat het heel vlug dan toch een mannelijk debat wordt. En ik begrijp wat je daarmee moet zeggen. Mannelijk is, ja, dat het gaat over opinies die heel sterk zijn en die meer gaan over efficiëntie van fietsen, snel parkeren. En dat het eigenlijk heel belangrijk is om direct toch ook naar het andere thema te gaan. Ja, verkeersveiligheid, ontmoeting. Mm-hmm. En dat daar dan eigenlijk ook nog al die technische randvoorwaarden bij komen kijken. Dat dus inderdaad de publieke ruimte onder druk staat. I'm going to wrap up for this first part. And I also want to remind actually the audience, I forgot to say to everyone that there are three parts in this session. We had the first part, the first question, we have a second question, and also the third very important part is that you can also have questions. So if you have any question, you can put them in the chat on the social media. So the second part, alors, la deuxième partie, c'est sur, donc on a parlé plutôt des enjeux, des difficultés, et qui semble d'avoir une solution si on le voit plutôt d'une manière women, gender. Alors la question est, est-ce que vous voyez clairement des pratiques qui sont intéressantes, des visions qui ont bien marché et, bon, évidemment, moi je pense à, par exemple à Paris, on a le maire qui a une femme qui est quand même une des maires les plus connues qui a changé complètement Paris. À Barcelone, c'est la même chose avec Ada Colau. Mais alors aussi comme concepteur, donc Livia, pardon, est-ce que tu vois des solutions, des éléments de solution? Oui, c'est très large, c'est une question très large. Ouais. Mais je pense que, voilà, je trouve que c'est très intéressant d'observer la vie, et aujourd'hui particulièrement dans cette période post-Covid. Voilà, la ville revit, c'est fantastique, Bruxelles revit. Et on voit comment les espaces sont utilisés. Et j'ai mis quelques photos sur notamment les parcs. À Bruxelles, on a une chance incroyable. On a énormément de parcs. Je ne sais pas, il y a le parc de Forêt, le parc d'Uden, le parc Bois de la Cambre, les parcs de Bois de la Cambre. Mais il y a aussi des parcs contemporains et où les gens s'installent. Bon, là, le parc de Tour et Taxi qui a été réaménagé récemment. Et ce qui est intéressant de voir, c'est comment les gens s'approprient les lieux. Et justement, aujourd'hui, avec le Covid, par exemple, il y a une photo ici où on voit la galerie à Tour et Taxi, où c'est utilisé comme un espace de fitness. Les gens ont besoin d'un auvent, et bien ils ont trouvé un lieu. Parc du Cinquantenaire, il y a toutes sortes de lieux, c'est fantastique, il y a tout. Il y a le volleyball, il y a même du tennis, il y a du foot, il y a du baseball, il y a du yoga. Les gens se font du pique-nique, de la musique.
Et tous les gens s'approprient les lieux et créent des lieux, des petits lieux. Et donc, on voit la possibilité, la flexibilité de ces espaces extérieurs qui est incroyable. Donc, on a ce vrai besoin de parc, ce vrai besoin d'espaces verts qui ont justement cette flexibilité. Et c'est un peu, on en a parlé des boulevards du centre, on a travaillé sur les boulevards du centre, on a vu, il y a eu ce pique-nique, il y a eu ce changement, il y a eu cette création de cet espace piétonnier, enfin, qui n'est pas vraiment un espace piétonnier, qui est un espace partagé plutôt, et voilà, comment utiliser les lieux. Et alors, c'était vraiment aussi l'idée de dire, voilà, il ne faut pas que tous les espaces deviennent des grandes terrasses ou des grands espaces pour des petits marchés et autres, non, c'est vraiment aussi avoir différents lieux, des espaces pour des terrasses, des espaces pour le vélo, la promenade, des grands bancs, et des petits espaces verts aussi. Alors aujourd'hui, les espaces verts sont encore fermés, je dirais, ils ne sont pas accessibles, mais je pense que, voilà, c'est le but que, graduellement, ils soient ouverts et qu'ils deviennent vraiment aussi des espaces où les gens peuvent s'asseoir, devenir des petits jardins dans l'espace. Donc je pense que ça, c'est important, ce côté de l'espace vert. Alors un autre projet, c'est l'espace pour les enfants. On en a parlé, l'importance que d'avoir toutes les générations dans les lieux. Et je pense qu'on remarque que quand on fait des lieux où les enfants sont attirants pour les enfants, où il y a des espaces de jeu, tout de suite, il y a les mamans qui sont là, les parents, les grands-parents. Donc il y a ce côté familial, c'est plus uniquement les hommes. Et certainement, dans les quartiers populaires, c'est très important d'avoir ce côté, le lien entre l'enfant et la mère. Et donc, du coup, ils sont à leur place. Ils peuvent y être, ils peuvent prendre leur place sur les lieux. Donc je pense que ça, c'est important. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir des lieux qui sont appropriables. Comment les gens s'approprient les lieux et peuvent, par exemple, on voit, bon, j'ai mis une image aussi où les casernes d'Ixelles, mais il y en aurait des dizaines d'autres espaces. Et comment les gens créent de nouveaux usages. Comment on expérimente, on essaye. Et certains vont perdurer, d'autres vont disparaître. Et c'est ça qui est. Et justement, je pense que l'importance de ces espaces flexibles, suffisamment de flexibilité, justement, par rapport à cette période, dans une période post-Covid, où tout le monde est dehors et on doit se partager l'espace, comment ça va évoluer dans le temps. Voilà, change aussi ton point de vue sur comment, comme professionnel, tu souhaites faire la conception, la participation? Je pense que ce qui est important, c'est d'être à l'écoute, mais de donner cette flexibilité et de voir, de regarder. D'abord aussi de voir comment le lieu est déjà utilisé aujourd'hui, même si c'est très sommaire, très, très fin. Voilà, peut-être qu'il y a déjà le début d'un projet qui est là et qui, en fait, il y a énormément de choses qui sont présentes sur les lieux. Il faut les faire éclore, les montrer, leur laisser la possibilité de se développer. Et ça, c'est un peu notre, c'est pour ça qu'on est là et qu'on essaie de vraiment travailler avec ça. Et ça, c'est fantastique. La ville est tellement riche, tellement intéressante, et de travailler avec ça. Ok, mais c'est très important. Je pense qu'en concepteur, d'aussi être fasciné par le changement. Hein. Donc, oui. Que ça fait aussi réfléchir sur la profession, en fait, comment aménager les espaces publics, la ville en général. Dezelfde vraag een beetje voor Hans, maar natuurlijk vanuit beleid. Je hebt al gesproken over, ik denk, effectief een heel interessante praktijk dat je zelf eigenlijk ook mee hebt ontwikkeld voor het werkcontract in het centrum, bij de Centrumlaan. De vraag is van, zie je dat ook als een soort van momenteel een urgentie om dat ook echt veel meer te gaan, ja, niet elke keer opnieuw uitvinden, hè? Dus de participatie, de officiële, maar ook echt de heel down-to-earth participatie in een park met moeders, te zoeken naar wie zijn personen ressourcen. Hoe kan je daar misschien aan het beleid ook conclusies uit trekken, hoe dat je dat moet organiseren? En algemeen, hè? Ook wat zijn jouw inspiraties, waar zie jij echt de grote opportuniteiten? Ik denk dat je dat echt heel hard moet bekijken van plek tot plek. Want wat werkt op een ene plek, werkt niet op een andere. Maar we zitten nog altijd in een vast stramien van we gaan avondvergaderingen doen en dan krijg je altijd datzelfde publiek. Dus je moet echt gaan kijken wie zijn de gebruikers nu al van een plek en wie zijn de potentiële gebruikers en die betrekken bij de ontwikkeling van die openbare ruimte. Ik vind dat veel relevanter dan de zoveelste nu zijn Zoom-vergadering s'avonds. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om heel veel plekken ergens ook open te laten. Niet alles moet per se op voorhand een functie krijgen. En dat zie je nu wel, omdat iedereen met zijn boodschappenlijstje komt van wat hij wilt in die plek.
dat ik daarnet zei, dat het dan soms gewoon te veel wordt en dat open plekken die achteraf een invulling kunnen krijgen, dat die ook essentieel zijn. Want jij sprak over het park van toeren en taxis. Daar fiets ik ook elke dag voorbij. Dat is vlakbij waar ik woon. Je hebt daar inderdaad nu ook fitness onder de, ja, onder, hoe heet dat, de galerij. Maar je hebt daar ook, Parkfarm is eigenlijk ook helemaal, de Serre is helemaal organisch ontstaan. Dat blijft nu. Die sportplek daar, dat functioneert. Er zijn ook sporttoestellen. Dat functioneert zo ongelooflijk goed. Daar is altijd heel veel volk. En omdat mensen zich dat park zo eigen hebben gemaakt, maakt dat ook dat dat een park is, om het nu terug erin te leggen met vrouwen zijn in de stad, waar iedereen zich altijd veilig voelt. Mm-hmm. Ik ken heel veel volk en allemaal vrouwen die dat park, zelfs om 11 uur 's avonds, daar nog doorstappen. Maar niet met alle parken in Brussel het geval is, omdat daar altijd mensen zijn en omdat dat op zoveel plekken wordt gebruikt door heel de wijk. En dat betekent dat dat goed zit. Mm-hmm. En nogthans, je kan daar niet uit, hè? Want dat is lager gelegen. Dus dat toont aan dat het echt goed functioneert. Mm-hmm. En dan misschien nog een plek die we nu echt aan het testen zijn. Een plek die we hebben teruggevonden eigenlijk van de auto's, zijn nu de hellingen van het Justitiepaleis. Lang een illegale parking. Nu hebben we die auto vrijgemaakt. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Daar is nog best wel wat discussie over. Maar nu zijn we ook echt, deze zomer gaan we echt testen. Hoe gaan we die teruggeven aan de bewoners? Op zich, zonder iets, is die plek ook al mooi, want dat is een uniek patrimonium. Dat gaat nog even duren voordat dat definitief weer aangelegd wordt, want daar moet nog allerlei studiewerk aan vooraf gaan. Het hangt ook af van wanneer dat daar de gevel gaat van het Justitiepaleis gerenoveerd worden. Maar deze zomer hebben wij een projectoproep gedaan en dan zijn er organisaties uit de buurt, maar ook studenten van de VUB, heel uiteenlopend, die met allemaal ideeën zijn gekomen en die we nu gaan testen op die plek. Mm-hmm. En dat is volgens mij ook iets dat we eigenlijk in de toekomst gaan willen doen voor al onze, als er tijd is, hè, voor al onze Irani-projecten, dat we net daarvoor, als we weten dat we iets op gaan doen, dat we in de zomer zeggen van, kom je nu eens dingen testen en uitproberen. Mm-hmm. We gaan jullie daar ook financieel in ondersteunen en dat gaat meer eigenlijk input kunnen geven voor een definitieve heraanleg dan een avondvergadering waar dat mensen heel erg komen met een belang dat ze te verdedigen hebben en dat ze ook daarna over gaan twitteren. En ja, dat is heel erg vanuit een eigen invalshoek. En zo kan je gewoon op de hellingen gaat er infrastructuur, met meubilair getest worden. We gaan al eerst met een soort van, we gaan al een beetje plekken openleggen om vergroening te testen. Er gaat een fietsatelier door jongeren gehouden worden, een soort van strand, niet zoals Brussel-les-Bains, maar een strand door een jeugdhuis vanuit de wijk opengehouden. En zo gaan we ervoor zorgen dat mensen zich die ruimte gaan toe-eigenen. En daarop kunnen we onze definitieve plannen baseren. Ja, heel interessant. Ik noteer, I note, I will just switch to English because it's very interesting that everybody could understand. I understand that you have actually, you perceive some high quality public spaces that are not necessarily super designed, eh? I think Tour and Taxis is a good case, it's still in the making, there's been a lot of initiatives, and actually it feels like a lot of people appropriate it, and it's also safe, and there's a lot of women who could use it at night, which is of course a bit a test, I think, that spaces are good. And that also, it's not about, you're also reflecting on the removal of the cars on the hills from the Palais de Justice, where you don't want now a decision, but you don't want to force a kind of decision how it should look like, but you do an open call and you actually put in the scene a kind of debate, reflections, creativity that will at the end lead to maybe a definitive design and solution. I think that's that's very important. I wonder if you feel if that's also something that is typically what you are more comfortable about as a woman. I didn't hear you really saying, both of you, like this is typically women, but I'm just trying to also push a bit there because this is a woman in art, urbanism. Now, maybe it's also good to say it sometimes too, okay, this is typically another way of working. But in Katrien Nederlands, yeah. Ik wil ook zeker niet in stereotypen praten, maar ik denk sowieso als je participatie doet, of je doet
zoals nu op de Hellig en Open Call, en we zullen wel zien wat er gebeurt, dan is het ook, dat is ook een beetje nu, als, zeker als politicus of als beleidsmaker, kwetsbaar opstellen. Mm-hmm. Misschien werkt het, misschien werkt het niet. Mm-hmm. Jij komt niet met het ene grote, geniale idee, allemaal dankzij mij, nu gaat het er zo uitzien. Mm-hmm. Dus je gaat je echt voeden met wat er gebeurt. En het is ook, en ik denk dat we dat ook met openbare ruimte, dingen soms die mogelijkheid geven om af en toe te falen en dan bij te sturen, in plaats van te zeggen, ik heb het grote licht in mij. Mm-hmm. Dat is misschien iets waar dat vrouwen makkelijker toe in staat zijn dan mannen. Ja. En dan zeker in een politieke wereld. Ja, ja. Ik zeg het voor zich. Ja, ja. Het is heel genuanceerd. Hallo, peu la même question pour Livia. Je me demande, est-ce qu'il... Parce que dans le monde architecture, il y a aussi cette tradition de faire les grands concours avec un gagnant, qui est le grand gagnant. Et ça sonne aussi un peu de temps en temps très masculin. Et donc, est-ce qu'il y a temps pour changer ça et... Oui, je pense que c'est important parce que j'ai lu que dernièrement, je ne sais plus, les chiffres datent peut-être d'il y a 2-3 ans, mais par exemple, la revue A+, il y a 8% des articles qui traitent de projets de femmes. 8%, c'était peut-être 2017 ou 2016, mais ce n'est pas non plus il y a 50 ans. Et donc on se dit que vraiment, pourquoi ? Peut-être parce que, voilà, parce que les femmes ont peut-être moins le besoin de se mettre en avant. Je ne sais pas. Donc voilà, on doit avoir cette confiance de la qualité. Donc je pense qu'il y a... je pense qu'il y a beaucoup de femmes architectes et urbanistes qui font du travail super, avec une belle sensibilité, mais aussi avec des beaux concepts. Donc je pense qu'on laisse le temps de... Et donc, si on voit, il y a le Brussels Bauermeister, ça fait deux fois, c'est un homme. Peut-être la prochaine fois, une femme. Pourquoi pas, hein, bien sûr. Et ministre président féminin aussi. Ik hoop dat het er toch niet aan te komen. Ja, ik veronderstel wel. Goed, oké. Okay. We zullen hopen, hè? Duimen. Ja. So now we are in the third part, I think, of the session. I don't know if there's any questions, particularly from the audience. There's no questions. So I think we can... One particular question and we have two minutes left. Okay, so I will just pose the particular question. I have a particular question. You have a particular public. Very good, yes. Do we have examples of experiments that were created within the popular neighborhoods and that succeeded to be a consolidated project? Okay, should I repeat it for the microphone? So the question was if there is any example you're aware of and that you find intriguing in more like a popular neighborhood and that has been tested in a new way and that it seems to be consolidated? Hans? Ik ben even aan het nadenken. Ja. Maar heel veel van de beslissingen die we in Brussel nemen komen voort vanuit bewoners die zich steeds beter mobiliseren. Mm-hmm. Je hebt het klassieke voorbeeld van de centrale lanen, maar zelfs nu is er een hele discussie aan de gang van op de Heizel, omdat daar nog heel snel wordt gereden met auto's. En je merkt toch wel dat mensen veel meer toegang hebben om hun wijk of hun plein of hun straat in de kern van een publiek debat te maken, zetten, omwille van alle mogelijke sociale media tools die dat ze hebben. Mm-hmm. Dus wij zijn daar ook... Het is wel heel goed dat al die drukkingsmiddelen er zijn, denk ik. Ja. Ouais, je pense que les contrats de quartier, je pense qu'on était quand même un exemple international. Hein. Cette approche qui a été créée il y a 30 ans maintenant, si je me trompe, c'est quand même... Après, il faut... Mais je pense que là aussi... Il doit évoluer, il doit être repensé, il doit un peu être adapté, mais c'est un objet qui est quand même très intéressant et qui a quand même changé la région bruxelloise dans tous ces quartiers populaires, principalement, où il y a eu des contrats de quartier. Et je pense que l'image de Bruxelles a changé, et ça se commence à se voir, surtout depuis les années 2000, on est arrivé dans une autre ère par rapport à ça. Après, il y a encore énormément de boulot, il y a énormément de choses à faire. Moi, je pense par exemple aux espaces souterrains.
les stations de métro, les espaces qu'on oublie que ce sont des espaces publics et sur lesquels il y a un vrai travail à faire. Par exemple, ou voilà, des parkings, des zones, peut-être moins l'évident. Le parc, je pense que tout le monde est conscient qu'il y a du travail à faire. Après, il y a plus d'espaces verts à travailler. Donc, il y a beaucoup de travail à faire et je pense que, voilà, il faut trouver les moyens et parfois des choses assez simples pour faire démarrer des choses et donner les possibilités aux gens eux-mêmes à développer, à les travailler écoute, qu'ils puissent développer, que les projets puissent se développer depuis le bas vers et expérimenter les choses. Ok. I conclude that Brussels is on the tracks, let's say. I think so. That there's still a lot of things to do and that if we do it all together, but that it's also more led by women because you're 50% of the population and mostly it's like a male conversation until now, that it will accelerate the needed change. And so hereby I can conclude the session. I just forgot to say my name, so I'll just say as a host, my name is Jens Jaerts. It was a pleasure to do this session and have Anse Persoons and Livia Betun with us. And thank you to Women in Urbanism to organize this great event. Thank you.